petite cascade. J'ai failli glisser tout à l'heure en commençant l'émission. Avec Anisha, vous allez vivre un moment extraordinaire pour la deuxième semaine consécutive. Anisha est dans le top 3, on l'a dit. Elle va d'ailleurs maintenant nous faire vivre un moment suspendu en saluant la mémoire d'un chanteur qui avait conquis le cœur des Français avec son titre « L'envie d'aimer ». Daniel Lévy était un artiste généreux, avec de belles valeurs. Il est parti trop tôt. Et cette chanson, cette séquence, est pour lui rendre hommage. Voici Anisha avec ses camarades, l'envie d'aimer. L'envie d'aimer, version 2022, par les élèves de la Star Academy. Que d'émotion! Que d'émotion! Bravo à vous, c'est super émouvant de se dire qu'après toutes ces années, cette chanson phare de la comédie musicale de Pascal Obispo, on pense à Kamel Wally qui faisait la chorégraphie. Vous aviez travaillé aussi, Yannis, sur cette chorégraphie? J'ai fait les 10 commandements avec Kamel, ouais. En danseur? En danseur, mais j'ai fait la tournée en Asie. Extraordinaire. Vous avez été... Parfait. Ben, vos profs vont vous le confirmer tout à l'heure, mais l'émotion était
était là, elle était intense, l'émotion. Vous l'avez ressentie aussi, Adeline? Oui, j'ai les larmes aux yeux. Quel message d'amour. On en a tellement besoin d'amour en ce moment. Et là, vous avez suspendu le temps. Vraiment. Et je pense à Daniel Lévy, qui est parmi toutes ces étoiles là-haut. Vous avez fait quitter la Terre pendant quelques instants. Je n'ai rien à faire de parler de technique vocale maintenant. Voilà. Donc, moi, je vous dis bravo. Et voilà, je suis très émue. Et puis le 7 novembre, notez bien cette date, le 7 novembre au Théâtre Mogador à Paris aura lieu une soirée en hommage à Daniel Lévy au bénéfice de son association qui achète des pianos pour offrir des animations musicales aux enfants malades et aux malades tout simplement dans les hôpitaux. On a une pensée pour sa famille, pour ses enfants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous aimez la Starac, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. À très vite.